Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes encore de retour avec vous, amis internautes, sur votre émission La Rue Opine. La question d'aujourd'hui, c'est à quel moment les parents doivent faire chambre à part avec leurs enfants? Et là, nous sommes avec maman. Bonjour maman. Comment vous allez? Au plus tard, à 7 ans, les enfants doivent faire chambre à part. À partir de 7 ans, 8 ans, là, il faut commencer par les mettre de côté. Déjà 12 ans, à 13 ans, il faudrait qu'ils doivent avoir leur chambre. Apa. Tout ça moyen de voyager avec vous. Mais bien d'autres mais caca beau roman nous fuyer. C'est à tout moment, mais les moyens ne nous permettent pas de faire les chambres à part, parce que les enfants sont tellement curieux, mais nous sommes obligés de faire avec. C'est les moyens là que nous manquons. Les indications des enfants aujourd'hui, ils veulent grandir comme leurs parents, alors qu'ils n'ont pas encore l'âge. Ils suivent tout de près. Si vous pensez qu'il a 5 ans, il ne sait pas ce que nous fabriquons, vous mentez. Parce que les enfants sont très vigilants. Ils vous suivent de près. Adotéme, Roaraya. Alors, une chambre, un salon, mais néanmoins, Roaravilo, et Naveao. Il y a des enfants de 6 ans qui, quand ils te parlent de certaines choses, tu seras étonné. Donc, c'est mieux déjà à 7 ans, 8 ans, 9 ans, entre eux, à l'école, ils se disent beaucoup de choses. D'ailleurs, dans le quartier, ils se disent beaucoup de choses. Les expériences que d'autres ont vécues, ils viennent partager avec leurs confrères à l'école, tout ça là. Mais arrivés à la maison, et déjà, ils ont l'idée, ils ont l'intention. Donc, il faut vraiment les éviter. Et surtout aussi avec les réseaux sociaux, tout ça, là, ils regardent tout. Il y a la télévision, ils voient tout à la télé. Nous sommes actuellement dans une chambre, disons, avec les parents. Bon, disons, c'est un salon, chambre à coucher. Et nous, on a la chance quand même de partager la même chambre avec les parents. Alors, papa, ma rose, on sort, on a quoi? Sinon, il n'y a pas du temps. Les gens vivent difficilement. Il n'y a pas d'argent pour louer des appartements. Les gens mangent difficilement. Et vous lui demandez d'aller prendre une chambre, un salon à 25 000 francs. C'est dommage, hein, le Bénin va mal. Ce numéro de votre émission La Rue Opine, c'est terminé. Vous avez compris. Nous attendons votre position à vous sur la question en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. À très vite pour un nouveau numéro.